Hello la Dozo Family, c'est Pity, j'espère que vous allez bien, moi ça gaze et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que comme vous voyez, je ne suis pas chez moi et si bien sûr vous êtes abonné et que vous regardez les vlogs de Valouz, vous savez très bien que nous sommes partis en vacances et regardez-moi ça, c'est la saison 4 les loulous aux Alpes, à la montagne avec tous les croutons, j'ai super hâte de vous faire un petit peu des petites vidéos, des TikTok, des Insta stories. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, Pity-du-bas-meg. Alors aujourd'hui c'est très simple, il est quand même assez tôt pour des vacances, voilà, c'est le premier jour qu'on vient de dormir ici au chalet des croutons. Il est 9h30 du matin et en fait hier on est quand même arrivé assez tard au chalet et puis de toute manière c'était presque quasi le couvre-feu. Du coup on n'a pas eu le temps de faire des courses. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est un gros plein de courses pour tout le monde. Je vais vous filmer un petit peu les petites courses des familles, voilà, pour régaler un petit peu tous les croutons. Et puis le chalet a été visité dans le vlog de Valouz qui est déjà sorti, voilà. D'ailleurs tous les jours à 20h sur sa chaîne YouTube il y aura une vidéo. Écoutez, pendant une semaine on sera dans ce magnifique chalet, je suis beaucoup trop contente. Là j'attends Dobby parce que c'est Dobby qui va me conduire à aller faire les courses. On s'est donné rendez-vous à 8h30. J'attends d'observer la malice et puis j'ai envie de dire c'est parti. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Générique. Alors même si ça a été visité dans les vlogs de Valouz, déjà regardez-moi cette grosse cheminée de ouf. Dès le matin, la vue au réveil. Non mais. J'arrive pas à me dire, mais regardez la chance qu'on a. Là, il y a le soleil qui se lève. Regardez-moi ça! Le chalet est incroyable. 900 mètres carrés. C'est un truc de ouf. On est hyper chanceux de pouvoir vivre des moments comme ça. Et c'est aussi grâce à vous. Donc vraiment, merci beaucoup. Donc j'ai beaucoup trop hâte de vous proposer un petit peu du contenu. Et c'est aussi grâce aux produits laitiers que nous sommes là. Parce que bien sûr, faut pas les oublier. Voilà, regardez-moi ça. Il nous régale comme jamais. Il est déjà quasi rempli, hein, le frigo. Parce que regardez, il y a quand même pas mal de choses pour la raclette. Mais on va aller encore chercher d'autres choses pour encore plus se régaler. Mais je tenais à préciser et à remercier grandement les produits laitiers, c'est les boss. Allez, je vous emmène avec moi pour aller faire les courses, c'est parti. Merci le petit Dobzer, regardez. Oh, c'est aux couleurs de tes ongles. Ouais, t'as vu. Mais tu sais que j'ai fait mes ongles exprès parce que je partais à la neige et que tout était blanc. Ça gaze ou quoi les loulous? On y va là. Mais vous êtes pressés. Il y a Michou qui nous a rejoint, apparemment il va faire les courses avec nous. Il est 8h50. On y va ou pas là? Ouais, on y va. On va faire les courses? Ah mais en vrai, je peux peut-être le conduire. Non, on va éviter. Ah merde. Allez, c'est parti les gars, on met un pouce bleu, on s'abonne, let's go, générique. Mais j'ai déjà fait générique. Ah merde. Tu referas, tant pis. T'en remets un deuxième. Non mais on est sur la route pour aller faire les courses, regardez ce que Inox demande. Si quelqu'un peut prendre innocent framboise pomme avec sucette ou coquin. Non mais c'est vraiment un gosse hein. Hey Inox, si on perd 40 ans pour que t'aies sucette au coca, là c'est bon hein. Oh, Lydia elle est énervée aujourd'hui. Mais faut qu'on trouve un truc pour acheter à Val. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui les gars. Bonne fête à tous les Valentins et aux amoureux aussi. Bonne fête à toutes les Valentins. T'as fait un truc à ta meuf du coup, Mich? Quoi? T'as fait un truc à ta meuf? Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, j'ai eu un blaze. Oulala. Tu m'as donné un blaze. Mais... de ta meuf. Attends, mais tu vas mettre en vidéo ça? Ouais. On coupe, on coupe. Non, arrête. Allez les loustiques, on a pris un chocadi. On va aller faire les tchots de course. Faut que j'aille trouver des nerfs. Oh, regardez-moi les grosses fraises. Je prends ça. C'est une ville. Non mais regardez comme on s'organise de ouf là. On prend la boisson, un petit peu de fruits. En fait notre caddie là, il est carré. Le rayon fromage bien sûr. On a pris ton chaussée au moine mon gars. Et on a même pris ton petit innocent pomme framboise. Ouais. On est vraiment les meilleurs en fait. Et des bananes et de la bière pour Valouz. Ça c'est pour la Saint-Valentin les gars. En fait Valouz c'est ça ton cadeau. On reprend des yop les loulous parce que ça plaît toujours. Oh les Kinder Pingouilles, on reste plus qu'un. Prends des chocos fraîches aussi. On est des enfants. Notre caddie, c'est un peu un caddie semi-adulte, semi-enfant. Les gars, j'ai eu la meilleure idée, on est rayon pain, je vais faire des burgers maison. Ils sont où les meilleurs pains à burger? Vous savez, les hyper moelleux briochés là. On va se régaler. Les pains briochés à burger là, les jaquets. Mais moi, je suis la pro des burgers maison, les gars. Merci. C'était comme ça que je voulais, mais pas réellement. En fait, moi, je voulais des buns. Au pire, on prend les classiques comme ça, en vrai. Hein. Vas-y, on va pas se prendre la tête. Il y en a combien dans ça? Il y en a 4. Il y en a 4, ouais. Il en faut 3, quoi.
Alors, Apo, elle voulait du sirop de violette. Mais attends, mais sirop de violette. Sirop de violette. Non, mais je pense qu'on aura là. Les violettes, comment c'est trop bon, arrête. Ouais, je viens, on en prend. Tu te rappelles quand on était petit, on prenait des bonbons violettes. Ah ouais, viens, on en prend. Bah, Apo, désolé, mais il n'y a pas de violette. Hein. Bah, en vrai, velouté de grenadine, ça fera peut-être pas l'affaire, ça. Les gars. Ça, c'est le péché mignon de Bouzy et Val. Ah ouais? Ouais. Des curly donuts? Des curly donuts, t'as déjà goûté? Je crois. Ouais, incroyable. Après, je suis pas très gâteau apéro, moi. Ouais. Eh, mais ça va être là, les sucettes. Pour Inox. Ah ouais. Oh, viens, on en prend. Vas-y, vas-y. On en prend combien? Un paquet, non? 3? 4? J'en ai à une semaine, hein. En plus, j'étais en train de réfléchir. Non, mais moi, j'étais en train de réfléchir en mode, est-ce qu'on en prend vraiment deux? Parce que j'avoue que ça, quand on mange, tu peux pas t'arrêter. Ouais. Puis on en prend quand même deux au cas où, non? Moi, ça me va. Ah ouais. Et faut pourquoi pas t'es rester tenté, dans là faut pas rester. Mais ouais, dans faut pas rester dans ce rayon, ouais. Abuser, en plus, quand t'as faim, oh là là. Ah ouais, nous, on n'a pas déjeuné, en plus. Jamais faire les courses quand t'as faim. Et on prendrait pas des céréales? Il y en a un peu, mais on peut en prendre. Vas-y. Je sais pas si on prend genre full Capri-Sun. C'est bon ça, les Capri-Sun. Du coup, on prend 3 packs de Capri-Sun. Ouais, pour les enfants. Même moi, 3 packs de Capri-Sun. J'ai pris du jus de pomme. Nickel. Et je prendrais bien genre un multifruit, genre, non? Regardez, lui, il prend tout. Ouais, mais 4 paquets, ça sert à rien, moi. Mais je crois que des différents. Ouais, mais moi, je m'y connais en céréales. Non, mais attends, j'ai une idée. Viens, on prend les petits. Bah, genre les trucs comme ça d'enfant. Ouais, voilà. Ça, c'est bien, non? Mais bien sûr que c'est les vrais céréales, mon gars. Mais ils sont pas bons ceux-là. Sinon, on va. Bah, cacher. Déjà, trésor, ça c'est vrai. Ouais, trésor. Et ensuite, c'est lequel ton préf entre les trois? Je sais pas, j'hésite. Golden Grams peut-être? Ou les Smacks ou les Frosties? C'est dur. Je comprends pourquoi t'as tout pris, en fait. Bah, ouais. Chez moi, c'est ce que je fais, j'ai au moins 6 paquets. Que des différents. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, boulet, boulet, ratatam. Oh les smacks. Allez. Je suis d'accord. En plus, on dirait Dobby sur la boîte. Les gars, on a trouvé les vrais pains à burger. Là, on va faire des vrais burgers. Là, on va se mettre bien, là. C'était ceux-là que je voulais. Pas cette marque-là, mais... Là, mais... Là, ils sont vraiment... là, ils sont là, c'est les meilleurs, là. Ah ouais. Je vais prendre ça comme cadeau pour Valouz. Les gars, il va être trop content. Regardez un petit peu. Le flow. Là, j'ai un vrai flow. Hot. Bah vas-y, on prend ça. On prend ça. Les gars, on peut plus rien mettre. On est obligé de partir du magasin là. Hey, il dégouline. Non, mais il dégueule même. J'ai envie de dire. Si tu freines un peu trop fort, Dobby, tout tombe. Moi, ce que je vous propose, c'est on va à la caisse, on essaye de tout optimiser en place. Non, je pense qu'on à ton sacs. Avis, il y en a pour combien d'euros? Ouf. On vient, on joue au jeu là. Ouais. Moi, ah, au juste prix. 480. Moi, je dirais, ouais, au moins. 360. Attends, et il y a de la viande, on a pris 10 steaks hachés, et le paquet de steaks hachés, c'est au moins 5 balles. Hein. Moi, je dis 380. Moi, je dis 450, allez. En fait, on met tous les trucs hyper lourds dans le fond. Mais gros, on va rentrer avec le caddie, hein. Ah, mais oui. En fait, les gars, on va mettre le caddie dans le van. Et je peux vous dire que c'est pas une van. Oh, joli. Moi, je dis oui. Non, mais regarde déjà tout ce qu'on a en boisson. Oh. Non, mais... Les tomates, elles sont renversées. Michou. On dirait que c'est la première fois de notre vie, on fait les courses. Mais c'est toi qui as pris ça? C'est pas nous. Bande de mythos. C'est pas nous, c'est toi, wesh. Mais c'est pas moi. Ah, t'as pris ça pour Valouz. Mais la vérité, c'est pas moi. Mais arrête. Mais c'est pas moi. C'est important de se protéger, puis dit, on vous le dit. Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Bah oui. Arrêtez. Mais quoi? C'est hyper gênant. C'est... Ah, vous voulez faire genre les faire passer en secret? Ouais. N'importe. Sauf qu'on les a vus. N'importe quoi. Mais attends, mais du coup, ça veut dire que t'es un abonné? Ouais, y'a moyen. Ou alors c'est peut-être Inox qui veut pécho dans sa chambre love. Ah, mais peut-être il te l'a dit, c'est pour ça que t'as acheté du coup. Non. Ah, il t'a envoyé un message privé. Ah, ok. Il t'a dit ramène-moi des. Ah, en fait, ouais. Tu voulais faire croire que c'est Inox. En fait, alors je voulais, c'est je toi, voulais en fait. Le protéger, c'est bon. Okay. Parce qu'il doit se protéger aussi. Mais en plus, comme il est avec sa meuf là. Oh. On va pas arriver trop tard quoi. Ah. Il aura déjà trempé le biscuit. C'est vrai qu'Inox, il veut y aller quoi. Oh, on a jamais fait un plein de courses comme ça. On n'oublie pas les gars, juste prix. Pidi a dit 450, Dobby 480, moi 380. On va bientôt savoir le prix, suspense. 328,75. Oh, je vous ai éclaté. Ça y est, on verra là. 328. Bah alors, 450, 480. Bah ouais, large. Bah t'aurais dû payer en fait, vu que t'as gagné.
Bah non, l'inverse. Dobby a perdu, Dobby paye. C'est normal. C'est normal. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. La règle du jeu, c'est qu'on va aussi partager avec tout le monde. Ouais, c'est vrai. Parce que ce qui est important dans notre équipe, la force, c'est le partage, les gars. Là, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je vais rien payer. Il y a au moins 80 euros de juste pour Inox. Regardez comment il galère à pousser le caddie. Eh, hey, tu crois qu'il pèse combien de kilos le caddie? Excuse. 15 euros ça! Bah, c'est le cadeau de Valouze. Bah, ouais, parce que pour son homme, il n'y a pas de prix, les gars. Exactement. L'amour n'a pas de prix. Bon, allez, c'est bon, on va tout mettre dans le van. Non, on met le caddie dans le van. Hein. Ouais. Mais c'est bon encore. On met le caddie dans le van! Faites le tour par JDR. Vas-y. Et Dobby, ça se voit, il fait un truc illégal là. Là, on me fait tout tourner. Mais c'est vrai, on n'a pas le droit de ramener des caddies chez soi. Bah, en vrai, on le ramène si, on le ramène aux prochaines courses, bien sûr. Hein. Vas-y, dépêchez-vous. Allez, vas-y. C'est pire, mais regarde, mec, on va faire plus simple. On les enlève, on les mettra après par dessus, tu vois. Mec, on va pas réussir à le porter. Ouais, mais si ça va être trop lourd. Ça va. Attends, tiens-le. J'ai plus de coude. En plus, ça glisse. Regarde, il glisse. 15 ans de oh, comment ça fait mal. C'est le meilleur moment de la vidéo, je crois. Oh putain, et par contre, le moment épique où on va rentrer avec le caddie, ça va être trop drôle. Parce que c'est vrai que je vous ai pas montré dans la vidéo, les gars, mais de toute façon, vous verrez dans la vidéo de Valouze qui est sortie du coup hier à 20h, il y a un ascenseur dans le chalet. Le caddie, on va pas le porter, on va juste mettre dans l'ascenseur, on va appuyer sur rez-de-chaussée, mais cuisine, on a un et c'est caddie bon. Dans ça a pas de sens. Bon, on se donne rendez-vous au chalet des Croutons, les gars, pour voir la réaction un petit peu des loustiques de nos super courses pour régaler la famille. Et c'est surtout parti. La réaction de Valouze à ses cadeaux. Oui, pour la Saint-Valentin. Tu me diras ce que t'as acheté, Pini, par contre. Mais moi, j'ai rien pris, moi. Ah bon? Bah si. Allez. Bah ouais. Par contre, les gars, on n'en parle pas assez, mais c'est magnifique. C'est incroyable, la vue est incroyable. C'est incroyable. Mais non, c'est vrai qu'on a un caddie. Attends, je veux juste faire une photo. Parce que moi. Tu veux faire une photo avec le caddie? Juste là, comme ça. Ouais. Dis-moi quand. Prends-le devant, comme moi. Fais comme moi, tu vois là. Moi, je sers à rien, là, je suis pas mis là. Non, mais après, on va prendre bien. Je vais quand même prendre un bout, moi. Un. Deux. Voilà. Bah, la porte. Mais... Oh, il va tomber là. C'est bon. Alors, amène. Wouhou! Hey, on n'est pas dans un ascenseur, Michel. On est dans notre appart. Là, on est dans l'étage. Étage 1. Ah ouais. Il y a même mec, tu peux même appeler. Ouais, là, c'est étage 1. Coucou. Coucou. Salut. Ils ont ramené le caddie. Mais y a personne, genre. Bah ouais. Pourquoi ils ont pas si peur? Oh, c'est trop nul. Ah, y a Bousy. Ouais, Bousy. Ça va quoi? On a été faire les courses. Déjà d'accord, on était en vacances d'été. Bah ouais, moi j'ai fait mon sport, je suis chaud. Vous voulez que vous soyez tous là? On est alors sortis de l'ascenseur avec le caddie. Vous avez le droit de prendre le caddie? Bah parce qu'il y avait trop de trucs, hein. Pourquoi vous avez le caddie? On a été faire les courses. Vous avez ramené le caddie? Bonne fête, Valouze! Bonne fête, chaton! Bonne fête, Valouze! Merci! T'as acheté des cadeaux en plus. Ça va mieux? Ouais, t'as acheté des cadeaux. T'as acheté plein de cadeaux de Romims. La bonne DSP là. À Pau, on a tout acheté, sauf un truc. Ouais. Ah, on n'a pas trouvé. Oh là 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 là. Le carburant de Pidi. C'est toi qui vois la DSP. Non, c'est pas moi. Oh la mytho. Et les gars, on a pris des trucs pour faire des putains de burgers maison sa mère. Valouze, on t'a pris un petit cadeau. On t'a pris un petit cadeau pour la Saint-Valentin. Tu vas avoir trop du flow. T'approuves ou pas? Il y a un autre truc aussi, Kinder Pingui. Non, regarde. C'est pour Inox, ça. C'est Inox, il a demandé ça. Sérieux? Ouais, il a demandé ça en message privé. You Inox? Ah, il a demandé ça en message privé. Viens, on met ça sur son oreiller. Ça va être trop drôle quand il va s'en rendre compte. Inox, ça va? Ouais, elle est incroyable.
Voilà. Ça va? Mais hé, il fait trop chaud. Attends, mais Inox, tu vas pécho là? Mais Inox, c'est quoi ce vrai? Mais Inox! Durex Love! Ouais! C'est pas moi ça. C'est dans le sous-dessus de l'oreiller que ça a dépassé. Arrête! Mec, c'est pas à moi, arrêtez! Arrêtez de me berner là! Vous êtes des bâtards, vous me bernez là, j'avais pas ça. C'était en dessous l'oreiller, frère. C'était sous l'oreiller, c'était là. Je n'ai pas ramené. Inox, ça l'a pas ramené. Non, je n'ai jamais ramené. Arrête, frère. Parce que le premier truc qu'il nous a dit quand on part, c'est moi je dois pécho, je dois pécho. Non, mais vous êtes des bâtards. Non, mais gamin, c'est pour toi. Ça peut toujours servir, faut se protéger. On t'a dit, cette semaine tu pécho. Protéger, c'est important, sortez couvert. Tu peux m'aider à le mettre, Valouze. Bien écoutez les gars, les courses sont terminées. Ceux qui n'ont pas participé aux courses les rangent. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus et surtout à vous abonner. Ouais, et allez voir. Mettez la cloche et attention, générique. Il y en aura 3 dans cette vidéo, les gars, vous êtes pas prêts. N'oubliez pas surtout d'aller voir les vlogs de Valouze tous les jours à 20h. Abonnez-vous à la chaîne de Michou et je vous dis à demain. Et abonnez-vous à la chaîne de Dom. Pour une surprise très spéciale. Ou dans 2 jours. Ah ouais? Ça va aller. Dans 2 jours, il y a quoi? Mercredi.